épicentre du coronavirus dans la région de Kolda. Le district de Velengara est particulier face à la COVID-19. Velengara, vous savez, au niveau de Kolda, les premiers cas ont été enregistrés dans le district santé de Velengara. C'était le 2 avril 2020. Velengara, c'est un district qui est frontalier avec trois pays. Donc Velengara aussi abrite le plus grand loumon de la sous-région, Diaoubé. Donc ça fait que Velengara, c'est un district particulier. Donc Velengara représente 42% de la population de la région. C'est un autre critère qui fait qu'encore Velengara devient plus particulier. Face au relâchement des communautés et des partenaires, les premières dotations en matière de lutte contre la COVID-19 sont épuisées et le besoin se fait sentir à tous les niveaux de la chaîne de lutte. C'est dans ce contexte que la Voldivision a doté le district sanitaire de Velengara d'un lot de matériel de lutte contre la COVID-19. Nous sommes venus à Velengara accompagnés d'une équipe qui évolue dans le secteur de la santé pour remettre à niveau au district des compléments de matériel, des EPI, des vitamines A et d'autres matériels qui vont aider l'équipe de réponse du district. Parce que Velengara est, comme on le sait, un lieu où la pandémie continue de sévir encore. Je pense que la particularité, c'est la spontanéité. C'est que très tôt, au début du mois de mars, avant fin mars déjà, Obigène avait déjà mis en place un dispositif qui nous a permis d'une façon très précoce vraiment d'appuyer l'État du niveau central au niveau district. Rappelez que du 2 avril 2020 à nos jours, la région de Kolda a enregistré 511 cas positifs de la COVID-19 selon le tableau des données du ministère de la Santé et de l'Action sociale.